Et salut tout le monde, ici c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tomb Raider, le masque d'or. Aujourd'hui on va continuer donc sur le niveau du royaume, le royaume donc. On va continuer là où nous nous sommes arrêtés. Alors ici, on a nos amis. Oula, le son est un peu fort, pardon, excusez-moi. Sont un peu fort quand même. D'ailleurs, j'en profitais pour prendre le M16 car, comme vous avez vu, on a nos amis les Yeti, les Bigfoot. En espérant qu'ils viennent. Alors. Et le dernier. Voilà qui est réglé. Bien, ici on va sortir pour récupérer tout ce qui est récupéré. Et oui, on a déjà vu nos petits copains dans Tomb Raider 2, justement. Au niveau du Tibet. On a déjà pu les rencontrer. Donc, voilà. Ah, il y en a un autre. Je crois qu'il est là, je crois. Ah, fail. C'est bon. Donc là, on va récupérer les trois derniers secrets, hein, pour accéder au cinquième niveau. Tout à fait. Pour accéder au cinquième et dernier niveau. Donc très important de ne pas les oublier. Si vous voulez le faire. Allez, tu viens. Dépêche-toi. Dépêche-toi, mon gars. Merci. Bien, cette fois-ci, on remonte. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a aucune sortie ici. Donc il faut revenir dans la cage. Espèce de prison. Enfin, une prison, c'est pas une prison, mais. Revenir au début, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai, avec la nouvelle version de Frappe, aussi faire des. On peut faire des vidéos en entier, sans passer par faire. Sans passer par faire des parties. C'est des parties de 3 gigas, même j'ai pu le dire. Donc c'est vrai que c'est appréciable d'avoir une vidéo entière plutôt que des vidéos partie par partie. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne chose. Même au niveau du montage, ça facilite la vie. Alors là où c'est déjà, c'est par là. Parce qu'ici, ce niveau. C'est un peu, comment dire, c'est pas un niveau comme les autres, hein, c'est un peu, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est un niveau un peu tiré par les cheveux, si je puis dire. Parce qu'il y a des moments où c'est un peu casse-tête quand même, quand on connaît pas le niveau, ça peut être un peu casse-tête. Vous allez voir. C'est pas un niveau qui est particulièrement difficile, mais c'est un peu prise de tête, quoi. Enfin, prise de tête. Moi, j'aime bien des fois quand c'est un peu, quand il y a un peu d'énigme, tout ça. C'est appréciable, moi j'apprécie. C'est pour ça que j'aime bien Tomb Raider, de toute façon. Hein. J'ai découvert depuis que je suis gosse. Et alors là, donc, on revient au début. Donc là, on va par là, on va faire quand même un peu l'attention. Voilà. Oup, c'était juste, c'était un peu risqué là. Alors là, il y a des pièges, hein, faut faire attention. Faut faire attention. Là, tu peux pas monter. Là. Quand même. Ah bon? Voilà. Donc ici on peut voir là aussi le premier secret, là.
On peut le voir, je pense. Voilà. Donc on va aller le récupérer. On va aller le récupérer. Je vais prendre une torche quand même. Bon, même si. Oula. Je crois que j'allais tomber dans le trou. En même temps, j'aurais pas fait une grosse chute. Donc voilà, ici c'est un peu casse-tête ici. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, il y a plein de manettes à actionner et des portes qui vont s'ouvrir. Alors, je vais changer de gun. Parce que même celle-ci est sympa. Mais pour des ennemis qui sont un peu loin. Donc là, alors ça a ouvert cette porte-ci. On va actionner cette manette qui va ouvrir celle qui se trouve. Ah non, pas derrière moi, j'allais dire derrière moi. Voilà, celle-ci. On va faire pareil pour celle-ci. Sauf que là, je crois qu'il y a Panthère. Si je dis pas de conneries, c'est dans celui-là. Elle est où la Panthère? Non, c'est pas celui-là, apparemment. Alors, ça serait celui-là, alors. Et non, la Panthère. Il devrait avoir une Panthère, là. Il devrait venir, là. Je comprends pas, c'est quoi ce bordel? Elle est où cette panthère? Bah non, c'est bizarre, tiens, je pensais qu'il allait avoir une panthère, bah je me suis trompé. Enfin bref, on va actionner celle-ci. C'est qui m'a ouvert. C'est qui m'a ouvert une porte. Mais où? Bonne question. Oula, non. Ça m'a ouvert laquelle là? Ah oui. Eh oui, non. Oula, attendez, hein, je suis en train de me faire des nœuds, ça commence. Parce qu'il y a un certain ordre, hein, comme vous avez pu le remarquer. Ah voilà. Voilà, 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 c'est bien ça, parce qu'il y a un certain ordre à ouvrir les manettes, à ouvrir, les refermer. Voilà. Il y a quand même un certain ordre. Donc là, je crois qu'il faut actionner celle-ci. Enfin, je crois, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr. Voilà, et il va falloir fermer l'autre aussi là-bas. Là-haut. Voilà, je crois qu'il faut fermer celle-ci. Non. Voilà. Là, il y a la petite panthère qui va se rappliquer. Voilà, on va prendre une torche parce que quand même, ça va être assez sombre pour vous. Voilà, on remonte. On continue. Raté. Voilà, tout à fait. Donc ici on va prendre à gauche en premier. On va prendre à droite, car ici on va aller récupérer donc le premier secret. Bon, ici je vais pas prendre le risque, je vais prendre une nouvelle torche parce qu'il y en a assez. Voilà. Et alors ici descendre doucement si vous voulez récupérer des munitions en bas. Car il y a des munitions de Uzi. Donc on va y aller tranquillou. Voilà. Pourquoi j'ai fait une roulade? Je suis con. Ma parole, je suis con. Alors ne pas faire de roulade, ça c'est le mauvais réflexe ça, des joueurs de Tomb Raider. Surtout ne pas faire de roulade là où il y a des piquants. Hein, là où il y a des pièges. Ça évitera de faire des conneries. Non mais je vous jure, quel con. Et on continue à faire de la grimpette. Voilà, on va se placer ici. Non, pas ici, parce que là, c'est un peu risqué. Voilà, c'est bon. On va prendre une nouvelle torche, on va se tourner. Je devrais peut-être sauvegarder aussi. Voilà.
Bon, ici on crée rien pour l'instant. Ici il y a des trucs à ramasser. Je vais prendre tout de même une petite pharmacie. Alors, maintenant. Oula, un petit bug. Alors maintenant, OS, parce que ici quand même, c'est un coup à se faire les nœuds. C'est un coup à se faire des nœuds. D'ailleurs, je suis en train de m'en faire. C'est par là, c'est par là. Voilà. On n'y voit plus rien. C'est bon. Là, on va passer par là. On récupère les munitions. On descend. Et on revient. Non, j'allais dire on revient au même endroit, mais non. Voilà. Donc là, le premier secret. Là, vous allez revenir dans la salle d'en bas. Donc, je vais prendre. Ah, ben non, je l'ai pris. Non, par contre, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais sauvegarder. Ça serait pas mal. Donc, je vais sauvegarder dans celui du bas, au cas où si je fais une connerie. Il va venir par où, ce petit saligo? Vu que c'est partout ouvert. Ouvert de partout, plutôt. Hop là. Voilà. Voilà, je suis où là? Ah, ça y est, c'est bon. Je me suis repéré. Bon, je me suis repéré. Alors, vous approchez pas trop aussi de ces petites lampes là. Je l'ai pas dit, mais bon, ça peut être un piège, ça peut vous brûler. Donc, vous approchez pas trop. Donc là, cette fois-ci, on part à droite. Là, on va encore changer le décor. On va tomber dans une espèce de forêt. Très carré. Bon, c'est du Tomb Raider, c'est les anciens Tomb Raider. Hein. Pas leur reprocher. Le jeu date quand même de 97, hein. Donc il est plutôt jeune. Attention quand même avec eux, hein. Ils sont violents. Ils sont violents. Donc ici aussi, il y a un deuxième secret. C'est pas par là. Non, c'est pas par là. Ce serait plutôt par là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas par là, j'allais dire. Donc là, ici aussi, faire très attention parce que c'est assez limite. C'est assez limite. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce qu'ici, on peut faire des merdes. Ça reste quand même assez. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si on peut le récupérer lui. Ok, bon, on va laisser tomber, hein. On va pas perdre de temps sur ça, de toute façon c'est des petites munitions, le pistolet automatique. Ouais, là. Mauvaise idée. Ça c'est un pote, il faut pas leur tirer dessus. Par contre, il va falloir aller par là, je crois. J'aurais pu arriver sans m'accrocher, là, je pense. Alors, parce qu'ici, comme je le disais, il y a le deuxième secret à récupérer. Voilà. Tout est fait, tout est fait. Arrête de me reluquer, toi. Non, mais oh. Je sais plus si t'es. Attends, j'attends déjà un doute là.
Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il était ici le deuxième secret? Je m'en souviens plus. Mais oui, mais je crois qu'il va falloir y aller, de toute façon, là-bas. Je crois qu'on est un peu obligé. Là. Ouais, mais comment je fais là? Je peux pas attendre. C'est quoi ce bordel? Je me demande si. Attendez, attendez voir. Bon, attendez, je vais encore sauvegarder, voilà, parce que j'ai un doute, parce qu'ici, il y a le deuxième secret, ici, donc, de toutes les manières, il va falloir récupérer. Voilà. Pourquoi se compliquer la vie? Oh, putain, je vous jure. Donc là, je crois qu'il faut aller en face. Eh oui, je savais bien qu'il fallait récupérer ce deuxième secret, là. Enfin, c'est pas que je le savais, c'est que je savais qu'on pouvait y aller là-bas. Ah là 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 là. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, on remonte, et là, normalement, je crois qu'il y a des petits gars, enfin, des petits gars. J'ai dit que j'arrêtais de minimiser tout. C'est pas possible. Oh là là. Oula, c'est bon. Voilà, donc là, il y a les lingots. Voilà. Donc là, je pense qu'il va forcer ses tombées, mais vu que j'en suis pas sûr. Enfin, je sais que c'est par là, mais je sais pas s'il y a un piège à prendre bas. Non, c'est bon. Donc voilà. Voilà. Donc là, on revient donc sur. Bah merde, c'est pas là. Ok. Attendez, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toute façon, ça peut être que par là. À moins qu'il faut pas s'accrocher, peut-être? Attendez. Ok. Oula, il est tendu ce niveau, hein? Alors moi, ce que je fais, c'est rien depuis tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas 46 000 façons. C'est quoi ce bordel encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut monter, hein? Oh putain, mais quel mais quel con! Alors là, c'est où? Je suis encore perdu, j'hallucine. Il me perturbe ce niveau, il me perturbe. On va y arriver, on va y arriver, on va s'en sortir. Le coup, c'est pas de mettre 3 heures, ça serait sympa. J'ai pas envie que l'épisode dure en longueur. Donc là-bas, j'ai tout pris, me semble-t-il. Donc là, c'est ici. Donc là, il va avoir une scène épique. Attention. Allez-y. Oh. Ah merde, c'est pas là. Oula. Qu'est-ce que c'est ce bug? Normalement, il devrait y avoir un gars qui tombe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est très bizarre ça. Normalement, il devrait y avoir un gars qui tombe. Un petit gars qui tombe et qui se ramasse la gueule. Bah merde, c'est pas normal ça. Enfin, je sais pas si c'est d'une grande importance, je ne crois pas. Tant que ça m'ouvre les portes, c'est pas bien grave. J'espère juste que ça va pas me porter préjudice.
que j'ai un doute quand même, je sais pas pourquoi. Ah non, ça aurait dû. Tu vois, je vais le réactionner pour. Visiblement, ça fait rien. Alors, comme je l'ai dit, j'espère que ça va pas me porter problème. Oula, oula. Ah, il doit être en bas, celui qui m'a tiré dessus. Je suppose qu'il va être en bas. Ouais. Donc là, ça m'a ouvert visiblement la porte qui était là-bas. Le fait de prendre la pharmacie. Bon, vous savez qu'on va se tirer, hein. Tant pis, hein. C'est pas bien grave. Ça m'a ouvert. Oui, ça m'a bien ouverte. Bon, c'est très bizarre. Visiblement, c'est très très bizarre. Normalement, ça aurait pas dû comme. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Parce que normalement, il y aurait un petit gars là où j'ai fait. Là où j'ai récupéré la pharmacie, la grande pharmacie. Qui aurait dû tomber. Mais bon, c'est pas grave. Donc on continue. Alors ils sont je les en prends grenier. Je vais prendre une torche, je vais peut-être sauvegarder aussi. Ce serait peut-être pas mal. Vous savez quoi? On va sauvegarder. Allez. On récupère des torches de toute manière. On en a plus qu'il n'en faut, des torches. On va par là, c'était just. Voilà. Alors là, je crois qu'il faut faire un saut en arrière. Voilà. Alors là, aussi étrange que ça puisse paraître, ici on peut sauter. Pourquoi je ne sais pas. Hein, il y a des endroits comme ça où on peut y aller. Oh putain, je crois que c'était un Yeti, le truc blanc là par terre. Hein. Je crois que c'était un Yeti là. Je crois que c'était le Bigfoot. Donc là, il n'y a plus rien ici, on peut remonter. Ouais, de toute façon, ça va, j'ai sauvegardé pas très très loin, c'est pas grave d'ailleurs. Et si on va se munir du lance-grenade. Parce qu'il va avoir des Bigfoot, mais il risque de nous faire tomber, donc j'ai pas envie de prendre le risque. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une torche ici, parce que je trouve que c'est assez sombre. Ouais, on va monter. Hein, on va prendre tout de suite le roquette, moi. Le lance-grenade, plutôt, je veux dire. Hop, 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 hop. Ouais, comme vous pouvez le voir ici, c'est assez risqué, donc vaut mieux prendre le lance-grenade. Plutôt que de s'embêter avec une arme, ça serait beaucoup trop long. Là. Alors, ici. Hop, on continue à prendre les munitions. Hop, il y en a encore une ici. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors ici, que je n'oublie rien, surtout que je n'oublie rien. Ici, il n'y a que dalle. Hein? Je me rappelle plus trop où c'est qu'il faut aller. Pour le coup, j'ai un doute. Ah bah oui, je suis bête. Non, 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 non. C'est vrai. Bon, je vais quand même procéder à une autre sauvegarde. Voilà. Ah, c'était bien ça. J'ai oublié de sauter, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est mieux là. C'est pas mieux là? Ah bon. C'est nouveau ça. C'est nouveau, c'est nouveau. Attends, je me suis accroché, c'est peut-être quand la torche s'est éteinte, peut-être. Il a dû avoir peut-être un bug à ce niveau-là. Oh merde. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là. Là aussi. Un peu particulier. Là, on peut voir des petits passages en bas, mais bon, il va falloir les prendre après. J'aurais pu prendre une autre arme. J'aurais pu prendre une autre arme. Donc, on va aller par là. On va aller tout récupérer. Adieu l'ami. Là je crois qu'il y a quelque chose là aussi. Je fais quand même attention parce que... Ouais. Je préfère quand même faire attention. Là où je mets les pieds. Ouais, les voilà. Voilà. C'est vrai que ce niveau est un peu zarbe quoi. Il est un peu zarbe ce niveau. Jette un peu des torches partout. Pour voir un peu. Parce que déjà c'est tout noir ici. Et donc là c'est bon. Est-ce qu'on peut monter par là? Non. On peut pas monter. C'est vrai qu'on s'y perd facilement dans ces niveaux. Allez vite avant que ça se referme. Voilà. Non. On va regarder pour voir si j'oubliais pas quelque chose. Donc là, normalement, ouais, non, ouais, c'est bien ça, c'est ce passage-là. Voilà. Voilà. Donc là, ici, il y a le troisième secret. Mais bon, il est un peu chelou aussi à récupérer. Donc ici, ce qui serait bien de faire, c'est de sauvegarder.
D'ailleurs, je répète au passage, c'est le troisième et dernier secret. Ouais. Alors là. Que je me rappelle, je crois que c'est pas. Fail. C'est pas par là. Enfin, si c'est par là, mais. C'est pas. J'ai sous-estimé la longueur du saut. Adieu. Ok. Ok. Alors, c'est peut-être pas de ce côté alors. Voilà, c'est bon, c'est ça. Alors après, c'est où? Ça serait où? Enfin, ça serait où? C'est où? J'entends quelqu'un marcher. Voilà, c'est bien ça. C'est bien là. Excusez-moi, je regarde un peu, je me concentre parce que j'ai quand même un doute. J'ai quand même un gros doute. D'ailleurs, je vais se garder encore une fois. Voilà. Ouais, visiblement, ce serait ça. Visiblement. Le problème après, c'est qu'il faut que je monte. Parce que c'est bien sympa de faire le tour, mais à un moment donné, il va falloir que je monte. Ok. Encore perdu. Bon, de toute façon, si c'est trop long, je couperai, c'est pas un problème. Ah bah merde, c'est pas là? Oh le con, non, c'est pas là, c'était sur le côté plutôt. Peut-être plutôt là. Ok, remontez pas. Là. Ouais, mais là, je peux pas, bien entendu. Ah voilà. Voilà qui est mieux. Donc là, alors là, non, c'est pas de ce côté autant que je m'en souvienne. Voilà. Et on va se garder. Là, vous pouvez constater une espèce de. Le mur d'ailleurs, vous pouvez voir le mur, mais seulement qui ne bouge pas, quoi. Ça fait un peu un mur solide. Voilà. Ouais, parce que je me méfie là. Je sais pas où commence, où s'arrête le piège. Donc là, voilà. Je sais qu'il faut sauter. Saloperie. Tu m'as surpris, saloperie. On va changer de gun. Alors là, je vais sauvegarder encore. Je sauvegarde beaucoup, je suis désolé. Parce que c'est vrai que je ne sais pas trop. Non, c'est bon, c'est là. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien pour savoir où identifier, où commence le piège et où il s'arrête. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a peut-être la démarcation. On peut voir la petite démarcation. On peut voir la démarcation. Ah, peut-être le plafond aussi. Parce qu'on peut voir des textures qui sont un peu différentes sur le plafond. Vous savez quoi, on va tout de suite le vérifier pour voir si c'est bien ça. Eh ben oui. Ah ben si, il y a un moyen en fait de l'identifier. En fait, c'est sur les textures du plafond, vous voyez, qui sont un peu différentes. On peut voir là les dessins, là. Les textures différentes. Donc apparemment, ça serait là. Ça serait ici, ça serait le point de repère. Ça serait un point de repère à savoir. Et je me suis cramé. Ça serait un point de repère pour savoir où commence et où s'arrête le piège. Donc, bon à savoir. Je vais encore me cramer. Hop, ma parole, je le fais exprès. Je vais essayer de faire vite aussi. Voilà qui est mieux. Voilà, on a tous les secrets.
Donc ça y est, techniquement, on a débloqué le cinquième niveau. Voilà. Oh merde, je l'ai touché un peu. Oh, fais chier! Oh, fais chier! Putain! Bon, on va y arriver, oui, à sortir d'ici. Je ne sais pas si on va y arriver, hein. Voilà. Eh ben, hein, enfin, c'est pas trop tôt, oui. Putain, je sais pas combien de temps il va durer cet épisode. D'ailleurs, on a combien? Oh, 30 minutes! Oh là 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 là! Oui, tout à fait. Alors là, que je ne me trompe pas. Sais qu'il y a un endroit pour sortir d'ici. Ah bah oui, c'est par là. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Ouais. Non. Là, c'est mieux. Voilà. On va y arriver. Enfin, j'espère. En plus, je me trompe. Est-ce que c'est là? Rien à récupérer, je suppose, ici. Oh putain. Peur de la vie, hein. Bref, on va continuer. Je vais saver, encore une fois, je suis désolé. Ouais, tout à fait. Toi, tu peux te fermer, je m'en fous maintenant. Ouais, donc là, c'est un piège, celui-là. À ne pas rentrer. Tu aussi, c'est un piège. Pareil. Donc là, on peut continuer le troisième niveau. N'importe quoi, on peut continuer le niveau tranquillement. Puisqu'on a tout récupéré, du moins tous les secrets. Voilà, on prend une petite torche. Donc voilà, donc non, je crois qu'il n'y a rien ici. Non, je crois qu'il n'y a que dalle ici. Alors ici, il n'y a que dalle. Donc ici, ah oui, dans cette extension, comparée aux premières extensions du Tomb Raider 1, on a un boss de fin dans celui-là. Dans celui-là, on a un boss de fin d'ailleurs, un boss qu'on a rencontré à... qu'on a déjà rencontré à... dans le Tomb Raider 2 au niveau du Tibet. Donc, à la fin, vous allez voir lequel c'est. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cela, donc normalement il devrait y en avoir un troisième. Normalement. Non. Y a pas ici. Manière, on arrive bientôt à la fin de ce niveau. Ça m'a ouvert la porte. Donc, avant d'aller là-bas. On va prendre. On va aller ici. On va prendre une torche. Histoire de mieux y voir. Je me rappelle plus de ce qu'il y a ici. Attendez voir, on revient au début ici.
Quoi ça sert de venir ici? Ah bon. Bon bah ici on revient au début du niveau, bon bah ça sert à rien en fait. Hein. Enfin, pourquoi ils mettent ça? Ça sert strictement à rien. Par contre, comment je fais pour venir moi? Eh ouais, ça c'était prévisible. Hein. Où c'est que j'ai sauvegardé? Moi j'espère que j'ai pas sauvegardé au niveau du truc. Donc, excusez-moi. Je fais une petite boulette. Ouais, excusez-moi, je me suis trompé. C'est bien moi qui fais les conneries, c'est pas grave. Attention à ces putains de trappes. Hein? C'est bien moi qui fais des bêtises. Voilà, donc on continue par là. Voilà. Donc là, on continue à tout prendre. Donc là, cette porte qui s'ouvre, là, on s'en préoccupe pas encore. Voilà. Pour l'instant, on va là-bas. Voilà, c'est réglé. Voilà. Là, ici, on monte. Voilà, on prend cette porte ici. Fais attention aux piquants. Tout à fait. Voilà. Faites attention. Faites pas comme moi. Je suis un peu poil. Je suis un poil vite. Bon, cette manette, je ne sais pas ce qu'elle actionne. Je suis jamais arrivé à l'actionner. On continue là-bas. Et là, on va affronter donc le boss de fin. Il n'est pas très très compliqué. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre. Après, même si je sais qu'il y a une manette à actionner là-bas. Voilà, donc ici ça va modifier dans la pièce. Attendez, vous savez quoi? Bon, trop tard, tant pis. Quoique, si, on peut sauvegarder, hein. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Là-bas, je sais qu'il y a une manette à actionner, mais je suis jamais sûr à quoi elle servait cette manette. Bon, il y a des trous, c'est tout, mais bon, on va pas s'en préoccuper. Oh, laisse-moi passer! Ok, me les brise pas. Ok, donc là ça tire le truc là-bas. Mais je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai jamais su, parce que c'est vrai que je l'avais tué.
Non, non, non. Ok. En gros, c'est un piège. Ok, bah c'est bon à savoir ça. Donc là, on peut le buter tranquillement. Bon, c'est un peu con parce que ça facilite la vie en fait. Et ça grave vénère. Ah bah tu m'étonnes, il a bien vénère. Et voilà, on a réussi. Donc voilà, on a réussi cette extension qui est Tomb Raider, c'est Golden Mask. Donc là, bon bah on a les crédits de fin, mais bon normalement techniquement il y a un autre niveau, un cinquième débloqué. Donc j'étais quand même ravi de le faire. Donc on va faire aussi ce cinquième niveau dans un autre épisode, mais je tiens quand même à vous le montrer. Comme ça, vous verrez qu'on peut débloquer aussi un cinquième niveau. Donc voilà. C'est vrai que c'est bon à savoir quand même, hein, de se faire. C'est vrai que moi je l'avais tué simplement, quoi. Mais bon, c'est vrai que je perdais un peu de la vie et tout. J'avais déjà perdu plusieurs fois, mais c'est vrai que ça facilite la vie, ça. Donc voilà, hein, si vous voulez vous faciliter la vie, hein, c'est simple, hein, vous montez en haut, vous actionnez le levier, vous redescendez. Et normalement, il y a le pont qui se déploie. Et comme ça, après, vous le piégez en bas. Donc c'est sympa. C'est très sympa. Ça facilite la vie, c'est cool. Voilà. Donc là, normalement, on va retourner au menu. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a les statistiques finales. Hein, donc voilà, 2h22. Secret découvert 12 sur 12. Victime 150. Munitions utilisées 4264. Tir au but. Oh là là, 2599. Oh putain. 9 trousses de soins utilisées. Un 9.0, c'est équivalent. Hein, c'est en fait le chiffre après la virgule, c'est équivalent avec une petite. Et 1.0, c'est équivalent à une grande en fait. En gros, là, j'ai utilisé l'équivalent de 9 grandes pharmacies et distance 12 km. Donc voilà, là, normalement, on a débloqué. Bah, chance, un peu bizarre, ça, comment on le débloque? Ah, voilà. Oui, voilà, c'est bien ça. Choix du niveau, voilà. Cauchemar à Vegas. Voilà, c'est bien ça. Je ne m'en rappelais plus sur le coup. Donc voilà, cauchemar à Vegas. Donc voilà. Donc j'étais ravi de vous présenter ce niveau. On se retrouve pour le prochain niveau, c'est-à-dire le dernier niveau. Cette fois-ci, le cinquième et dernier niveau de ce Tomb Raider, cauchemar à Vegas. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, gardez la patate. Et à plus tout le monde.